Et déconfiner des glingouilles, on est le vendredi 3 septembre. Ça vous dit quelque chose, le vendredi 3 septembre, juste avant le samedi 4, avant que ça pète, avant le tsunami, avant qu'il se passe quelque chose, avant qu'il y ait un nouveau chiffre d'affiché en berne. Non, en hausse, peut-être. Peut-être bien, ouais. Il va y avoir de plus en plus de manifs, là. Qui a précisé qu'il y allait avoir 275 en France ? Comment veux-tu réunir les manifs ? Pourquoi veux-tu justement réunir celles qui sont à Paris ? Est-ce qu'on vient chercher Noise dans celles qui se passent dans telle ou telle ville ? Il y en a beaucoup, quoi. Voilà. Il y en a presque 300. Ça fait du monde, quand même. Hein. C'est la rentrée. Est-ce que ça va être la rentrée demain ? Il y en a beaucoup qui se disent que oui. Et justement, j'ai posé la question. Donc, on verra demain. On aura les images. On pourra beaucoup mieux comparer avec la semaine dernière, quoi. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Vous vivrez le samedi 4, c'est dans quelques heures. Il n'y a pas de raison, hein. C'est comme ça. Alors, c'est la rentrée, donc il y a des personnes qui passent, qui parlent eux-mêmes avec des oreillettes tout seuls, pas tout seuls, avec leur IA, avec leur assistant. C'est la rentrée, il en faut pour tout le monde, hein. Voilà, il y a les sonneries de récré, des enfants qui courent vite, il y a des petits qui braillent, il y a des parents qui s'inquiètent, il y a des parents qui s'énervent, il y a tout le monde qui rentre, et puis une rentrée qui s'étale sur 2 mois, je vous le dis, à chaque fois je le vois, septembre, octobre, après t'arrives novembre, c'est des cadeaux pour les fêtes de fin d'année, t'as compris que ça se découpait en 2 morceaux, septembre, octobre et novembre, décembre. Jusque là on n'est pas rendu, on ne sait pas ce qui va se passer tout le mois de septembre, ça va prendre du temps, ça passe tellement vite mais ça prend du temps. Enfin, vous pensez que ça change jamais, ça change tout le temps. Enfin, je vous embrasse et puis ça tousse toujours. Et pas tant. Ciao.